Et salut à toutes et à tous, c'est Kaisou, l'ermite des Jinuga, et je vous retrouve non pas pour un let's play, mais pour une vidéo annonce très importante. Il y a beaucoup de choses à dire. Déjà pour commencer, j'ai quelques soucis. Bon, c'est pas des soucis graves, truc familial et tout le bordel, non, c'est un truc... C'est pas si grave, mais c'est un... c'est quand même assez gênant. En fait, ce sont des soucis de tournage. Comme vous l'avez pu remarquer, pour ceux qui suivent l'Exode Dave et pour ceux qui suivent Crash Bandicoot ou bien les deux, je n'ai rien posté pendant une ou deux semaines, je pense. C'est pour deux raisons, deux grosses raisons. De un, parce que mon PC... j'avais déjà des épisodes en avance sur un autre PC que celui-là où je suis en train d'enregistrer cette vidéo annonce. Et malheureusement, ce PC m'a lâché. Et le pire, c'est que j'ai préparé genre 3 épisodes de Crash Bandicoot à avance et un épisode de l'Exode Dave en avance. Non, je suis vraiment dégoûté. Surtout qu'il y a des épisodes, ils sont extrêmement marrants, mais putain, ça me dégoûte. Du coup, je peux plus les récupérer. À moins que... si, mais... c'est assez compliqué. En fait, je pense que c'est ma carte mère qui m'a lâché, mais dans ce cas, ça veut dire que mon disque dur interne est en bon état. Et il est possible de récupérer des données d'un disque dur externe sur un ordinateur qui est mort. En fait, il suffit juste que j'achète un adaptateur USB pour disque dur interne. J'essaierai de voir, ou sinon, je serai obligé de recommencer et donc de retourner les épisodes qui sont sur ce disque dur, malheureusement. Donc voilà, mon PC m'a lâché. C'était un bon PC, et tout de même, je suis assez dégoûté. Mais bon... tant pis. La deuxième raison est... en fait, si vous vous en a parlé dans des briefings, j'ai déménagé. Et du coup, pendant le déménagement, j'ai plus de connexion internet pendant une semaine. Et quelques, ouais. Donc du coup, je n'ai rien pu poster et je n'ai même pas pu tourner non plus parce que ma maison était en travaux et même elle est encore en travaux. Oui, en fait, on déménage dans une maison, mais il reste encore quelques trucs à finaliser. Il y a encore quelques petits travaux à finir, pas beaucoup. Il me semble que dans quelques jours, ça sera fini, je l'espère. Donc du coup, je pourrai enfin retourner des épisodes. Parce que, voilà quoi, je peux pas me risquer de tourner et que vous entendez des bruits de perceuse, de marteau et tous ces trucs là. Je pense que vous n'en aurez pas envie, mais surtout moi. Voilà. Deuxième petite annonce tout aussi importante, alors ça va concerner surtout ceux qui suivent mon Oddworld, l'Exode Dave, surtout ceux qui ont suivi tous mes Oddworld en fait, le T-Dave et l'Exode Dave. Je vous ai bien sûr promis que j'allais faire une Oddworld New and Tasty, et il se trouve que le jeu sur PC sort le 25 février. Donc je l'ai précommandé sur Steam, il est pas très cher, surtout que j'ai eu une remise de 10% comme je précommande, c'est un avantage. Et à ce qui paraît, j'aurai aussi les DLC, ce sera très intéressant, donc je vous proposerai aussi les DLC. Et voilà, je ferai le jeu aussi à 100% d'ailleurs, et je pense le faire en mode difficile. Oh oui, vous allez bien vous marrer! Et donc, ce let's play, je sortirai quelques jours après sa sortie, quand tout ira bien du côté de ma maison et tout, et les travaux et tout ça. Et mon rythme de vidéo sera une à deux vidéos par jour. Comme c'est une nouveauté, voilà, c'est une tradition sur la Dream Channels. Et donc, voilà, c'est tout. Donc, c'est une petite vidéo annonce comme ça, un petit peu fait à l'arrache, mais voilà, au moins je vous tiens informé. Je vais bien, je n'ai pas arrêté Crash, je n'ai pas arrêté l'Exotape. C'est juste que j'ai quelques soucis qui vont s'arranger assez rapidement. Donc voilà, sur ce, patientez bien et voilà. D'ailleurs, pour vous faire patienter, vous pourrez voir les Crash Bash. Qui, par contre, eux, je les enregistre pas sur le même PC où il y a les autres Let's Play, non. C'est sur un autre PC qui fonctionne très bien et donc, heureusement, donc j'ai des épisodes en avance. Donc voilà, de quoi vous régaler en patientant le retour de Crash Bandicoot 1 et l'Exode Dave. Et New Intesty aussi d'ailleurs. Donc sur ce, voilà, merci d'avoir regardé, surtout écouté. Que la foudre du Jinuga soit avec vous, vous accompagne de moments difficiles. Ciao, peace and love! See you next time!